Même à la fin du repas, il prit la coupe. En demandant grâce, il la bénit. Il la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude.